Bon, c'est impressionnant, je vous le dis. Alors, je suis vraiment très heureuse, pour tout vous dire, de vous accueillir ce soir dans ce cadre magnifique de l'amphithéâtre Richelieu, qui me rappelle bien des souvenirs, avec Michel Houellebecq. Je voudrais commencer par dire que cet entretien, comme vous avez pu le voir sur les feuilles qui vous ont, je crois, été distribuées à l'entrée, est en fait la séance inaugurale, et certes assez exceptionnelle, d'un séminaire au long cours qui va porter uniquement sur l'œuvre de Michel Houellebecq. Alors, ça fait très longtemps que je pense à créer ce séminaire, parce que j'ai été amenée au fil de mes recherches à rencontrer de très nombreuses personnes qui s'intéressaient à cette œuvre, personnes qui étaient non seulement de nationalités très variées, mais surtout d'horizons très divers. Parce que c'est justement l'une des forces de l'œuvre de Michel Houellebecq, je crois qu'elle fait converger, réfléchir et discuter ensemble des gens extrêmement différents, littéraires, philosophes, historiens, historiens de l'art, architectes, économistes, juristes, j'en passe, chercheurs professionnels bien sûr, mais pas toujours, puisqu'il y a aussi un très grand nombre de lecteurs et amateurs passionnés qui accumulent parfois des sommes de connaissances considérables et parfois très impressionnantes sur l'œuvre. Je crois que cette diversité-là est à l'image de la richesse, de la complexité et de la puissance globale de l'œuvre qui la suscite. Et une des choses qui me ravit ce soir, et que je crois que le public réuni dans cet amphithéâtre est un peu à l'image de ce que je viens de décrire. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a des jeunes, je sais que ça commence à 8 et 13 ans ce soir. Il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a beaucoup d'universitaires, certes. Mais il y a aussi un très grand nombre de lecteurs avec lesquels j'ai échangé plusieurs courriels ces jours-ci, parce qu'ils m'ont envoyé parfois des lettres fébriles, pressantes, désespérées, pour me demander s'il y avait encore possibilité d'avoir une place pour l'entretien. J'ai toujours tâché de répondre du mieux que je pouvais, et certains, que je salue en passant, sont venus parfois de Belgique ou encore d'Italie en prenant leur billet de train ou d'avion au dernier moment, uniquement pour pouvoir assister à l'entretien. C'est vous dire si la pression est grande ce soir. Alors je ne sais pas si beaucoup d'écrivains actuellement suscitent une telle passion. Mais je sais que c'est une chance que je trouve immense et quasiment inespérée, de constater et d'avoir l'occasion de le constater là de visu, aussi concrètement, qu'une œuvre littéraire puisse encore, à notre époque, avoir une telle force de présence, captiver à ce point, susciter tant d'intérêts, tant de controverses passionnées et tant de questionnements. Ce n'est pas la moindre des forces de l'œuvre de Michel Houellebecq que de remettre la littérature de façon inattendue, mais il me semble salvatrice, au cœur de la place publique. Donc, je voudrais remercier les deux universités, la mienne, l'Université Paris-Nanterre, et Sorbonne Université, ainsi que tous les services, les personnels des services concernés, et notamment la direction du service culturel, la direction des affaires culturelles de Sorbonne Université, ainsi que Frédéric Billier, qui est vice-doyen de la faculté des lettres de la Sorbonne, et Yann-Emi Goubert, qui dirige les affaires culturelles. Tous ces personnels-là qui ont, et tous ces dirigeants des universités qui ont permis que cet entretien et le séminaire qui le suit puissent avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais aussi remercier mon centre, le CSLF, Centre des sciences et des littératures en langue française, qui est dirigé actuellement par Guillaume Peureux et Julien Chu, ainsi que l'Observatoire des écritures contemporaines, dirigé à Nanterre par Dominique Viard et Jean-Marc Mourat, centre et équipe qui ont soutenu ce séminaire. Et enfin, je tiens à remercier spécifiquement, vivement et très chaleureusement ma collègue Laurence Campa, vice-présidente à la culture et à la vie associative de l'Université Paris-Nanterre, qui a vraiment beaucoup fait pour permettre de monter cet événement avec tous les gens qui l'entourent. À vrai dire, sans elle, rien n'aurait pu avoir lieu et je lui en suis infiniment reconnaissante. Alors, un dernier mot sur l'entretien que nous allons commencer. Comme vous le savez, Michel Houellebecq va faire paraître en janvier prochain un 8e roman. Alors je tiens à rassurer immédiatement les quelques rares journalistes qui sont présents dans cette salle, quitte à décevoir tous les autres et à voir la salle se vider d'un coup très vite. Vous voyez, je prends des risques. De ce roman-là, il ne sera aucunement question ce soir. Je n'ai là-dessus aucune exclusivité.
En revanche, cet entretien que j'ai intitulé « Le livre ou la vie » en hommage à Rester vivant, dont nous allons reparler tout à l'heure, va porter sur l'écriture, sur le livre et sur la littérature. Parce qu'il me semble justement que c'est là aussi une grande chance que de pouvoir profiter de cette espèce de stase qui précède la sortie du roman pour aborder les questions de fond, de technique, de vision littéraire. Une fois le roman publié, vous le savez comme moi, le tohu-bohu médiatique va prendre le dessus et immédiatement centrer les choses sur le rapport à l'actualité et sur les polémiques possibles. Mais ce soir, justement, nous ne sommes pas dans le même temps. Nous sommes encore en suspens, alors profitons-en, prenons une bolée d'air, malgré les masques. Et puisque bien rares, trop rares, sont les occasions qui nous en sont données, parlons littérature. Alors, du coup, je me tourne vers vous, Michel, parce que j'ai remercié beaucoup de monde, mais pas vous, alors que vous êtes le principal que j'ai à remercier. Pendant toute une phase de votre carrière littéraire, vous avez été assez présent dans les médias, et puis, depuis quelques années, plus rien, vous avez complètement disparu. Ça fait des années que vous n'avez pas donné d'entretien public, et je voulais, comme première question, vous demander ce qui a pu causer cette disparition et ce qui vous a décidé à revenir parler en public aujourd'hui. La première partie de la question est la plus simple. Il y a une part de grosse part de faute de ma part qui est et se résume assez bien par ce qu'on a appelé l'esprit de l'escalier, qui est une très bonne formule, qui est qu'en général, je pense aux choses importantes et intéressantes une fois que l'entretien est fini, quoi. C'est un malheur dans la vie. Je ne pense pas que ce soit vraiment guérissable. Donc, dans ces conditions, il faut mieux pas accorder d'entretien. Bon. La deuxième, c'est que souvent, les gens n'ont pas le niveau, les interlocuteurs, enfin, les journalistes, etc. Bon. En m'adressant à vous, je résous la deuxième question, mais pas la première. Donc, il est tout à fait possible qu'en sortant tout à l'heure dans une heure et demie, je me dise « je n'ai pas dit ça, alors que c'est ça que j'aurais dit, etc. » Et ça, je pense qu'on n'y peut rien. Donc, pourquoi j'ai accepté ? Parce que c'était vous, parce que je vous dois beaucoup. Dans un univers qui n'est pas le mien au départ, l'université, que je connais mal, qui est le vôtre, qui suscite ma curiosité, donc... Et je me dis que ça va être plus intéressant que d'habitude, quoi. Voilà. C'est... J'espère. Vous nous direz. Bien. Alors, quand même, un mot des circonstances. Je vous remercie vraiment. Un mot des circonstances. On est le 2 décembre 2021, amphithéâtre Richelieu à la Sorbonne. Alors, je précise que ni moi ni Michel Houellebecq ne sommes en rien responsables du choix de cette date. Mais enfin, il y a beaucoup de 19e-istes dans la salle, je le sais, étant moi-même au départ 19e-iste. Et pour les 19e-istes et pour quelques autres, on peut dire que le 2 décembre... pour eux et pour d'autres, le 2 décembre est une date lourde. Et si je n'en dis rien, d'autres vont y penser à ma place, alors j'évacue les choses d'emblée. Le 2 décembre, on a le choix. 2 décembre 1804, sacre de Napoléon qui se couronne lui-même dans la cathédrale Notre-Dame. 2 décembre 1805, le fameux soleil d'Austerlitz brille sur la victoire de la grande armée napoléonienne. Et 2 décembre 1851, coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui met fin à la Seconde République. Alors, en ce 2 décembre 2021, couronnement, victoire, coup d'État, que choisissez-vous ? Dans tous les personnages de l'histoire, Napoléon Ier est toujours un de ceux qui m'a inspiré la plus vive antipathie. Il a mis l'Europe à feu et à sang sans résultat appréciable. Pour moi, bon, je vais être un peu désagréable, mais ça, c'est un peu ma réputation aussi. L'anecdote la plus exemplaire pour moi de Napoléon, c'est après une grosse bataille,
Grosse victoire française. Donc, le matin à l'aube, ils se promènent sur le champ de bataille. Donc, il y a beaucoup de Français morts, jeunes Français morts, partout. Il est avec son aide de camp qui rapporte la scène et il dit « Une nuit de Paris repeuplera ça ». Bon. Pour moi, ça résume bien Napoléon. C'est l'individu qui considère les autres comme une chair à canon. Ce qui n'avait été possible avant la levée de masse, la conscription obligatoire, avant la Révolution française. Donc c'est l'individu qui fait une séparation absolue entre lui et le reste des êtres qui est une chair à canon dédiée à son ambition. Donc pour moi, c'est un des personnages les plus méprisables de l'histoire universelle. Bien. Peut-être le plus méprisable, en fait. Bon, Napoléon III, par contre, m'inspire une certaine sympathie. Je connais mal ce qu'il a fait, en fait. Disons que c'est une époque très étrange, Napoléon III. C'est quand on pense au vaudeville, à Offenbach, on se dit, les Français ont été ça. Ça vous étonne. Oui, ils ont été si joyeux, si insouciants. Enfin, c'est très curieux. On a vraiment beaucoup changé, quoi. Et disons que l'époque de Napoléon III apparaît comme une espèce de... Oui, de rêve français. Avec une censure extrêmement violente, quand même, dans les premières années du règne, en tout cas. Violente, n'exagérons rien. Il faut voir ce qui s'est publié aussi. Enfin, non, c'était pas si violent que ça. Hein. Enfin, par rapport à la censure sous le règne de Napoléon Ier, je suis désolé, il n'y a pas photo, quoi. D'accord. Enfin, sous Napoléon Ier, le nombre des journaux est passé de 120 à 3, je crois, début à la fin de l'Empire. Quoi. Napoléon III, il n'y a aucun phénomène de ce genre. Non, Napoléon III a été un bon souverain, je pense. Donc j'opte pour Napoléon III sans hésiter. Et en tout cas, je renouvelle mon antipathie à Napoléon Ier, très fermement. Mais moi, je suis tout à fait favorable à la cancel culture. Hein. Non, mais réellement... On supprime Napoléon Ier. Il y a une grande exposition, là, en ce moment. Oui, mais la restauration a beaucoup fait pour la cancel culture concernant la Révolution. Ça, c'est sûr. Ce qui était légitime. Il ne fallait pas honorer ces révolutionnaires, c'est normal. Mais elle a beaucoup laissé subsister de choses en l'honneur de Napoléon. Je ne reconnais pas votre admiration pour Robespierre. C'est pas de l'admiration, c'est de la haine mêlée d'amour, comme tous les gens qui sont approchés de Robespierre. C'est forcément très ambigu, Robespierre. Mais je vous ramène à l'histoire des Girondins, qui est un chef-d'œuvre. Donc on est forcément fasciné par Robespierre et forcément on l'aime. Ça n'empêche pas une opposition politique totale, quoi. Mais il est fascinant. C'est rare, les gens fascinants. Et Richelieu, alors, amphithéâtre Richelieu. Richelieu, alors c'est beaucoup plus simple. C'est un des lieux de soumission. La cérémonie d'intronisation de l'oiseleur en professeur des universités a lieu en Richelieu. Il y a un bref commentaire sur Richelieu, d'ailleurs. Hein. Oui. C'est un des grands hommes d'État de l'histoire de France, oui, c'est certain. Enfin bon, parce que la monarchie, enfin, ils étaient gentils, les rois, enfin, c'était des bons rois, mais s'il n'y avait pas eu Richelieu, Colbert, des gens comme ça, enfin, la France ne serait pas ce qu'elle est, quoi. Et Richelieu est un des plus remarquables. Enfin, il faut considérer qu'il a poursuivi la tâche essentielle de la monarchie française au cours des siècles, qui était de soumettre la noblesse, de la remettre à son rang secondaire et d'installer une vraie monarchie. Par ailleurs, il a eu à gérer un problème horrible qui était les protestants. Terrible. Quelle horreur. Donc, non seulement il a continué à soumettre la noblesse, mais il a maté les protestants tout en maintenant une politique économique efficace. D'accord. Donc, c'était un. Non, il n'a pas eu une vie facile, hein, Richelieu.
faut pas. Bon, en plus, il a créé, il a beaucoup subventionné cet endroit. Il a créé en amont. Il a créé l'Académie française. Il a, bon, il a fait différentes choses, quoi, sur le plan culturel. Enfin, parce que c'est un peu le plus. D'accord. Donc Richelieu contre Napoléon Ier. Oui, définitivement. Oui, Napoléon Ier n'a causé que, il a mis l'Europe à feu et à sang sans résultat, sauf tuer beaucoup de gens. Alors, j'en arrête avec les circonstances annexes. Oui. Et j'en arrive à. Mais vous allez me dire que finalement je vais à l'accessoire encore, parce que j'en viens à un autre anniversaire qui me semble beaucoup plus significatif, mais vous m'avez dit qu'à vous, ça vous était parfaitement indifférent. Je tente ma chance quand même, parce que moi, ça m'intéresse. Nous sommes en 2021, et donc ça fait tout juste 30 ans que vous avez publié vos premiers livres. Et cet anniversaire-là m'importe à moi, je l'avoue, non pas tant comme anniversaire, que parce que l'année 1991 est quand même une année décisive et assez extraordinaire. Vous publiez là, coup sur coup, vos premiers livres, et il y en a trois pendant la même année, très hétérogènes en plus. D'abord un essai sur Lovecraft, puis un manifeste littéraire intitulé « Restez vivant, méthode », et puis enfin le recueil de poèmes intitulé « La poursuite du bonheur ». Et il y a aussi d'ailleurs, une moins significative sans doute, mais quand même, une anthologie des poésies de Rémy de Gourmont assortie d'une préface où vous dites beaucoup de choses sur la poésie, qui est dans que j'avais republié dans le cahier de Lerne, qui est là. Alors, il se trouve que j'ai les premières éditions. J'en profite pour remercier Benoît Galland de la librairie Trois Plumes à Angers, qui m'a permis d'avoir ces premières éditions-là. Et je dois avoir resté vivant quelque part par là. Non, vous n'aurez pas resté vivant, décidément. Ouais, c'est le plus difficile à trouver. Ouais. Mais je l'ai, mais il doit être perdu dans mon sac quelque part. Ah voilà, il était dans un sac plastique dédié, c'est pour le protéger davantage. Voilà, resté vivant est là. Et donc, ces publications-là, qui sont relativement hétérogènes, donc, est-ce qu'elles avaient à l'époque la même importance pour vous, et quel regard est-ce que vous jetez sur ces trois livres-là 30 ans après? Lovecraft, c'était c'est publié dans une collection appelée Les Infréquentables. Bon, Michel Bulteau, qui s'était mis en tête de faire une collection aux éditions du Rocher consacrée aux auteurs infréquentables, quoi. Enfin, bon. Je lui ai proposé, il m'a demandé si je voulais faire quelque chose, je lui ai dit oui sur Lovecraft. Au départ, il n'était pas très content parce qu'il voulait plutôt un auteur français. Enfin, il faisait un espèce d'équilibre entre auteurs français et étrangers. Il avait déjà trop d'Américains, quoi. Mais ceci dit, il a bien été obligé de convenir en examinant le sujet que Lovecraft était vraiment infréquentable. Il était antisémite, raciste. Enfin, il avait toutes les qualités d'infréquentable, quoi. Il était vraiment bien. Donc, il a dit ouais, bon, on le fait. Et pour moi, c'était important, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, parce que Lovecraft était un auteur qui correspondait à... C'était un auteur culte pour moi, comme pour beaucoup d'autres gens, d'ailleurs. Donc, c'était particulier dans la mesure où mon ambition n'était pas tellement le public littéraire, mais le public des amateurs de Lovecraft. Le premier interview que j'ai fait de ma vie était dans une publication appelée Dragon Magazine. C'est ça. Qui était un magazine de jeux de rôle. Et donc, dans les jeux de rôle, l'univers Lovecraftien tenait une grande place. Donc voilà, moi j'étais. Pour moi, j'avais jamais essayé de faire des livres jusqu'à présent. Et j'avais fait des poèmes, mais pas des livres, quoi. Donc là, bon, je me suis perçu que j'étais en gros capable de faire un livre d'un nombre de pages suffisant pour être qualifié de livre, quoi, 120 quand même.
Vous avez fait mieux depuis. Oui, j'ai fait plus depuis. Pas, peut-être pas mieux, mais plus. Après, les poèmes, bon, alors il savait que j'ai des poèmes publiés dans la Nouvelle Revue de Paris. Donc Michel Bulteau savait que j'écrivais des poèmes, il les aimait bien du reste. Mais pour des raisons qui lui appartiennent, il pensait que les éditions du Rocher, ce n'était pas l'endroit pour publier des poèmes. Donc il a proposé mes poèmes à Joachim Vital, le directeur des éditions du Rocher. Et puis Restez vivant, que j'ai écrit comme ça, mais vraiment très vite. Et en fait, il a publié Restez vivant d'abord parce que ça lui plaisait beaucoup. Donc là, et c'était plus des ouvrages qui avaient une part culturelle, érudite, comme celui sur Lovecraft. C'était vraiment là, moi, qui m'exposais. Donc, effectivement, ça a été une année importante pour moi, oui. Mais je sais pas si, il y avait une question, vraiment. Donc c'est pour situer l'année. Je l'ai oublié aussi. L'année, effectivement, je suis apparu au monde qui m'ignorait jusqu'alors. Quoi. Mais est-ce que vous diriez que c'est cette année-là que vous êtes devenu écrivain ou est-ce que ça... Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Mais de devenir écrivain, si vous voulez, c'est les autres qui décident qu'on est écrivain. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai lu votre livre, ça m'intéresse, tout ça. Qui vous dit continuez à écrire des choses que les gens continuent à me dire déjà maintenant. Donc vous décidez pas de devenir écrivain, c'est les autres qui vous disent vous êtes écrivain. Oui, et pour ça il faut avoir publié. Et il faut pas forcément. L'acte initial, mais ça je vous raconterai pas, c'est trop privé, c'est de écrire une chose et le faire lire à quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut écrire des choses sans les faire lire à personne, hein. ça se produit souvent. Mais le fait de le faire lire à quelqu'un, donc on se soumet au jugement d'autrui, et c'est lui qui dit si vous êtes écrivain ou pas, c'est pas vous qui dites, c'est lui. Ne me dites pas à qui vous avez fait lire d'abord, mais c'est arrivé à peu près vers quel âge, ça, pour vous ? Adolescent, hein. Ouais. Mais c'est resté sans suite, quoi. Mais disons, mais bon après... J'ai eu un passé pré-publication consistant à lire des poèmes dans des endroits publics. Et des gens me disaient... et en fait, on cherche à ce que les gens vous disent que c'est bien, quoi. On cherche à provoquer une réaction positive. Mais c'est toujours les autres qui décident si vous devez continuer ou pas, quoi. C'est pas vous qui décidez, en fait. Non, vraiment pas. Et bon, la publication, c'est un peu le même processus. Enfin, c'est... Sauf que ça prend un tour plus public, est devenu très public dans mon cas, oui. 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 Alors justement, on parle beaucoup, enfin, on vous identifie. Mais si vous voulez, ouais. J'insiste sur le fait qu'entre... Il y a plus de différence entre zéro lecteur et un, qu'entre un lecteur et un million, quoi. Oui. C'est l'autre qui change tout, la présence de l'autre qui change tout. Du coup, c'est ces trois publications-là dont on parle peu souvent parce qu'elles précèdent justement Extension et qu'on vous identifie essentiellement comme romancier. Je voudrais, d'une certaine manière, pour fêter un peu malgré vous cet anniversaire qui ne vous intéresse pas, qu'on prenne le temps de revenir un petit peu sur chacune d'elles. Alors, je voudrais voilà, qu'on revienne sur Lovecraft, puis sur Rester vivant, puis sur La poursuite du bonheur, avant de passer à autre chose, évidemment. À propos de Lovecraft, donc vous en avez parlé un peu, mais dans Sortir du XXe siècle, qui est une des interventions que vous écriviez en 2002, vous dites, je cite, « C'est le devoir des auteurs de littérature générale que de signaler aux populations leurs confrères talentueux et malhabiles qui ont commis l'imprudence de vrai dans la littérature de genre, littérature de genre est entre guillemets, et se sont par là même condamnés à une obscurité radicale. Il y a une dizaine d'années, je m'étais consacrée à Lovecraft. » Plus récemment, Emmanuel Carrère s'est chargé de Philip K. Dick. D'accord, mais justement, en 91, vous n'étiez pas du tout identifié comme un auteur de littérature générale. Et du coup, entrer en littérature par un essai consacré à Lovecraft, alors c'était en plus dans cette collection Les Infréquentables, mais c'était relativement audacieux et risqué, ça pouvait vous faire rentrer, justement. Qu'est-ce qui vous a poussé Il manque un mot dans votre truc, là. Moi.
Ça m'étonnerait, mais si, si. Je pense que j'ai dit ce sont qu'on a une obscurité critique radicale. Critique radicale. Oui. Je vérifierai. On vérifierait. Demain, je vous dirai. Parce que Lovecraft n'était pas du tout dans l'obscurité. Il avait des fans. Oui. Mais c'est vrai que personne ne parlait de lui. Oui. Donc, il ne faisait pas partie de la littérature. Et oui, enfin bon, c'est peut-être de la peut-être faire de la psychologie, quoi. Disons que j'ai voulu parler à ma génération, peut-être, oui. Ouais. Écrire sur Lovecraft, c'est comme si j'avais écrit sur Deep Purple, quoi. Non, mais c'était le même public. Ouais. C'était une ambiance où Lovecraft faisait partie d'une. Qu'on appelait vaguement culture rock. Bon, c'est peut-être un peu vieux pour vous, ça n'existe pas, mais ça existe à un moment donné. Moi, je ne suis pas si jeune, Michel. Ouais. Mais culture rock ou culture punk? Non, rock. Rock. Non, non, culture rock. Donc c'était comme la science-fiction, comme dans une moindre mesure le polar, comme une espèce de sous-culture que certains... commencer à se dire, c'est peut-être une sous-culture, mais quand même, on est meilleur. Ouais. Donc, c'était un signe de reconnaissance générationnelle aussi. D'accord. Et ça, ça m'a... C'est aussi le secret de ma bonne entente plus tard avec les Inrocks. Enfin, c'est ouais. Tout un truc. Donc, parce qu'on n'aimait pas la littérature, on n'aimait pas Solaire, on n'aimait pas Robrier, on n'aimait pas tous ces gens-là. Vous comprenez. Avez raison. Oui, je comprends. Ouais, peut-être raison, mais ou peut-être tort. Enfin, l'histoire en jugera. Mais on se référait plutôt à des choses appartenant au sous-genre, à la culture populaire, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'était un acte. C'était une prise de position. Une rébellion. Ouais. Une prise de position, une rébellion. Nous n'exagérons rien. Une prise de position dans la culture. Vous, pas la première phrase, mais une des premières phrases du Lovecraft, c'est « Nous avons besoin d'un antidote souverain contre toutes les formes de réalisme. » Et ça peut paraître étonnant pour non-initiés, alors même que vous êtes souvent considéré comme celui qui fait retour dans la littérature française vers une forme de réalisme. J'ai fait un prix de votre question, mais je ne les ai pas vraiment lues, mais... J'avais noté un truc là. Alors allez-y. Parce qu'il y a un sens bâtard de réalisme, si vous voulez, un sens. Mais qui est souvent employé. Et je me suis qualifié de réaliste dans ce sens-là. C'est-à-dire, on me dit, vous êtes pessimiste. Je dis non. Je suis ni pessimiste, ni optimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire, je suis entre les deux. Bon, ça, c'est une version, le réalisme essaye de voir la vie ni plus mauvaise ni meilleure qu'elle n'est. Et là, de ce point de vue-là, je me revendique totalement du réalisme, mais c'est une version. Après, l'idée du réalisme en littérature est quelque chose d'absurde, quoi. Oui, parce qu'il n'y a pas de réalisme universel. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a... Deux personnes n'ont pas la même perception du monde, n'ont pas les mêmes sens. La vision, l'audition, l'odorat, le toucher sont différemment développés chez les autres. Donc, il n'y a pas de description réelle quoi, d'une situation, d'un événement. Donc, c'est un peu une absurdité, mais... Mais je pense que c'est pour ça que le premier sens, en réalité, a joué un plus grand rôle. Oui. Et de ce point de vue-là, j'ai un point de vue clair. Je veux représenter le monde ni pire ni meilleur qu'il est. Oui. C'est une exigence forte chez moi. Oui. Mais alors, quel lien avec l'antidote nécessaire au réalisme? C'est vrai qu'il y a dans votre œuvre aussi toute une part accordée à l'étrange, même elle est plus ou moins grande, oui, mais alors, à l'étrange, bon, au rêve. En fait, c'est vachement compliqué comme question, parce que il y a un autre sens qui apparaît. Autant je suis d'accord sur l'idée
Il faut représenter le monde ni pire ni meilleur qu'il est. Autant je suis en désaccord sur l'idée qui est aussi incluse dans le concept de réalisme, c'est qu'il faut accepter le monde tel qu'il est. Ma position, c'est je représente le monde tel qu'il est, mais je ne l'accepte pas. Oui. Pour autant. Oui, en effet. Oui, mais vous êtes d'accord, en fait. Pardon ? On est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. C'est ce que j'aime aussi chez vous. Et justement, du coup, j'en viens à Rester vivant, qui est assez clair aussi sur ce genre de position-là. Souvent, quand les gens me demandent par quoi commencer pour vous lire, je réponds, commencer par Rester vivant, j'ai tort ou j'ai raison ? Non, c'est bien. C'est vrai que ça joue un rôle générateur, je suis d'accord. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Alors, du coup, je vais repartir de certaines citations de Rester vivant, que j'aimerais bien que vous commentiez un peu avec votre regard d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rester vivant, ça raconte la genèse d'un poète, et c'est en même temps vraiment un manifeste littéraire. Alors, je vous donne quelques phrases, qui sont certaines très connues déjà, d'autres moins. Je vous l'ai dit, et je vous pose une question dessus. La première, que j'aime beaucoup, c'est « La structure est le seul moyen d'échapper au suicide ». Alors, la structure dans la poésie, au moment où vous en parlez dans Rester vivant, c'est la métrique et la versification d'accords, ce sont elles qui configurent, mais il y a aussi la composition d'un recueil. Est-ce que vous travaillez cette composition de recueil ? C'est... Pas du tout. On travaille, mais on travaille en vain. Je veux dire, j'ai observé des gens mis en présence d'un recueil de poèmes, y compris les miens. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'efforts pour les classer dans un certain ordre, mon maximum d'efforts ayant été fait pour non réconcilier mon ontologie personnelle. Oui. On met entre les gens un recueil de poèmes, on sait pour ça qu'ils feuillettent et ils lisent comme ils veulent. Quoi. Donc, en fait, tout l'effort de structuration qu'on a fait est un peu... Mais vous l'avez fait quand même. Mais le pire, c'est que dans un sens, ils ont raison. Et j'ai fait un spectacle en lisant des poèmes récemment. Oui. Donc, on avait fait un effort de structuration. Et en fait, je me suis rendu compte de la vanité de l'intentive. J'avais une oreillette. Oui. Et l'oreillette n'était pas du tout faite pour me rappeler les poèmes. Parce que le poème, on me disait les premiers mots, je me souvenais de tout, par cœur, sans problème. Par contre, j'étais incapable de dire ce que je devais lire à un moment donné. Oui. Donc, en fait, il y a un côté... la vérité, c'est que l'élément important, c'est le poème. Oui. On fait des recueils pour des raisons pratiques. Quoi. Oui, c'est ça. Mais alors, le poème, on essaye de les structurer, mais c'est jamais tout à fait important. Quoi. D'accord, très bien. Et du coup... La structure est le seul moyen d'échapper au suicide, d'accord, mais qu'est-ce que c'est la structure quand on écrit un roman ? Comment est-ce que vous la pensez, vous ? Alors, c'est beaucoup moins évident. Et disons que si on se met à écrire des phrases totalement déstructurées, ça ne va pas. On est mal parti, quoi. Psychologiquement. C'est sûr. Donc il y a la structure grammaticale générale de la phrase, mais ça aide moins que dans le cas du poème. Oui. Ouais. Oui. Mais la structure globale compte aussi. Vous travaillez beaucoup la structure romanesque globale. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il y a aucune structure dans mes romans, ça. Ça c'est pas vrai. Non mais tant en temps j'en rajoute, mais au départ c'est pas le truc. D'accord. C'est pas l'objet, en fait. Alors, deuxième citation. Croyez à l'identité entre le vrai, le beau et le bien. Rien que ça. Est-ce que ça vous semble ça ? C'est un peu grandiloquent, mais bon, c'est vrai. Oui. Mais comment est-ce que vous expliquez que personne, ou presque, n'entende ça dans votre œuvre et que tout le monde vous considère comme un écrivain, soit cynique, soit même nihiliste ? Parce que je pense que la notion de bien s'est beaucoup perdue. Mais vous êtes là pour la sauvegarder. Oui. Moi, j'ai une notion claire du bien, mais je pense que cette notion, c'est perdu. Oui, c'est perdu. Alors, je passe à une autre.
Toujours, alors pas sur le bien, mais sur le vrai, vous dites, toujours dans Rester vivant, la vérité est scandaleuse, mais sans elle, il n'y a rien qui vaille. Alors, je ne veux pas vous interroger sur l'exigence de vérité, mais sur son lien au scandale. Vous écrivez ça en 91, donc bien avant le scandale des particules élémentaires. Oui, mais j'anticipe que je vais avoir des problèmes. C'est ça, c'est votre côté prophète. Vous saviez déjà. Je savais que, compte tenu de ce que j'ai l'intention d'écrire, j'aurais forcément des problèmes à un moment donné. Oui. Mais est-ce que, pour vous, la véritable œuvre littéraire est nécessairement liée à une force de scandale ? Non. Mais vous, la vôtre, oui. Ben, ça dépend des périodes historiques, je dirais. Mais au fond, non. Mais compte tenu de l'époque à laquelle je vivais, je ne pouvais manquer de faire scandale, oui. J'ai toujours un peu regretté, hein, en fait. C'est pas parce que le monde est ce qu'il est qu'il faut changer ce qu'on est, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas. Il y a une époque à laquelle vous auriez pu ne pas faire scandale. Oui, je crois. Je sais. Bon, je n'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment pensé très en détail la question. Je pense qu'au début du 19e, j'aurais moins fait scandale, oui. Ouais. En réalité. C'est votre côté Lamartine. Oui, oui, c'est mon côté Lamartine. Oui, je ne pense pas que j'aurais provoqué un tel barouf au début du 19e. Alors, dernière citation de Rester vivant, en tout cas. Je vous cite, « Un poète mort n'écrit plus, d'où l'importance de rester vivant. » C'est la base, c'est vrai. Et quelques lignes plus loin, vous écrivez, non seulement les poètes qui vivent vieux produisent dans l'ensemble davantage, mais la vieillesse est le siège de processus physiques et mentaux particuliers qu'il serait dommage de méconnaître. Alors, loin de moi l'idée de suggérer que vous êtes vieux, mais enfin vous êtes indéniablement plus vieux que quand vous avez écrit cela il y a 30 ans. Est-ce que vous diriez que ces 30 ans de plus ont mis en œuvre des processus mentaux particuliers, et en quoi est-ce que ça peut servir votre œuvre ? Alors ça aussi, c'est de l'anticipation, parce que effectivement, je pressens que je vais avoir une vision du monde différente quand je serai beaucoup plus vieux, oui. Et là, bon, je suis en quelque sorte à la jeunesse de la vieillesse, quoi. Oui. Je suis un tout jeune vieux, en fait. Mais qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Si, je commence à penser... Si, je commence à penser beaucoup plus à la détérioration, à la mort, enfin c'est intéressant. D'accord. Plus qu'il y a 30 ans. Ah oui, beaucoup plus. Là, j'y pense très souvent. Oui, oui. Donc c'est intéressant, la littérature est là pour tout, hein, pour tout, y compris pour la détérioration, pour la mort. C'est là pour restituer l'ensemble de l'expérience humaine. Donc j'ai toujours senti qu'il se passait des choses particulières quand on était vieux, oui. Mais là, vous êtes... Là, ça commence. Là, je commence à vraiment être bien dans le truc, quoi. Bon, n'y allez pas trop. Bah, ça viendra que je le veuille ou non. Enfin, je sais pas, je veux pas. Oui, mais autant ne pas hâter les choses. Non, mais je fais rien pour ça. Je fume des cigarettes électroniques, ça veut dire. Alors là, je vous félicite vraiment. À quel point je. Alors, je prends du coup La poursuite du bonheur, troisième et dernier. Et je l'ouvre, et le premier poème de La poursuite du bonheur, c'est un poème qui s'intitule Hypermarché novembre. Oui, j'ai un souvenir très vif. Et qui commence par ce vers « D'abord, j'ai trébuché dans un congélateur ». Oui, mais je l'ai... Et là, effectivement, ça a été un moment important pour moi. J'ai lu à la bibliothèque du 12e, devant une assistance assez fournie quand même, quand j'ai dit « D'abord, j'ai trébuché dans un congélateur », j'ai regardé les gens, ils étaient stupéfaits. Ouais. Là, j'ai vraiment réussi un truc. Ce verre est bon. Et après, ça a continué, les gens étaient fascinés. Donc, quelle était la question, en fait ? La question, c'est... Non, c'était vraiment un verre réussi, quoi. Oui. C'était tellement réussi que, d'ailleurs,
quand il y a eu une édition de poche de La Poursuite du Bonheur, la couverture était un caddie de supermarché. Des caddies de poésie, supermarché. Michel Houellebecq, poésie, La Poursuite du Bonheur et un caddie. Oui, mais j'étais d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des moments, par exemple, on est au supermarché, enfin dans un hypermarché, c'est pas un supermarché, c'est vraiment un hypermarché. Tantôt on se paume un peu et on tombe dans un état un peu vague. Et on peut imaginer qu'on trébuche dans un congélateur et qu'on se réveille soudain. Et que ça vous apparaisse comme une nouvelle naissance, quoi. Vous voyez le congélateur, vous voyez tous les produits, vous voyez le monde à nouveau. Le monde apparaît. Et à partir du congélateur, si vous voulez, tout se reconstitue. Après, il y a les fromages, le saumon, il y a tout. Tout. Et vraiment. Je pense que je peux pas garantir que ce soit autobiographique. Enfin, si c'est autobiographique, c'est certainement à l'hypermarché Auchan de Courcelles-sur-Yvette. D'accord. Où j'ai peut-être trébuché effectivement dans un congélateur et du coup le monde m'est apparu. On mettra une plaque. Mais là, vous en parlez comme si c'était une sorte d'émerveillement du monde, mais en réalité, c'est l'histoire d'une chute. Il s'écroule au rayon des fromages. Oui, mais c'est plus tard. Oui, deux strophes plus tard. C'est la troisième strophe, ça c'est presque la même. Fin du poème. Mais Non. Il trébuche dans un congélateur, il se met à pleurer, d'accord. Mais quelqu'un, il reprend son avance quand même. Et c'est la troisième strophe qui trébuche au rayon du fromage. Et là, effectivement, il meurt. Oui. Je repris mon avance, mais j'avais un peu peur. Oui, mais à juste titre. Donc c'est vrai que ce poème était réussi. J'ai senti que les gens réagissaient très fort parce que tous, ils avaient l'expérience de samedi après-midi dans un hypermarché, quoi. Et tous étaient importants dans leur vie. Ils consommaient une fois dans leur semaine, quoi. Globalement, tous ces gens. On consomme une fois par semaine, on va au samedi après-midi, on remplit un caddie et puis c'est bon. Donc c'est un moment important parce que c'est tout ce qu'on va manger pendant toute la semaine, enfin tout se décide là. C'est vraiment un moment important. Donc j'ai senti que j'avais, alors bizarrement parce que c'est une rencontre de poésie quand même, et les gens étaient surpris légitimement de trouver ça dans une rencontre de poésie. Et ça leur faisait du bien. Surtout dans un alexandrin, en réalité. Oui, un alexandrin, mais ça, bon, ils ont été moins sensibles, peut-être. C'est un peu oublié déjà à l'époque. C'est vraiment dommage, ça. Oui. Et donc, c'était. Je me suis dit que j'avais bien fait et que j'étais dans une bonne voie. Parce que les gens réagissaient très fortement à ce vers. Quoi. Vous savez, je parle d'une époque où je ne publiais pas. Je veux dire, les réactions d'un public, on les sent quand on lit. Et quand j'ai dit d'abord j'ai trébuché dans un congélateur, j'ai senti quelque chose se passer. Oui. Alors il y a l'hypermarché et le congélateur, et puis dans La Poursuite du Bonheur, il y a par exemple un poème qui s'appelle L'amour. Alors je ne vais pas lire l'ensemble, parce qu'en plus c'est un poème relativement long. Mais dans les derniers vers, il y a ces vers-là. Je m'adresse à tous ceux qu'on n'a jamais aimés, qui n'ont jamais su plaire. Et puis, un petit peu après, il y a un poème très simple, de juste trois vers, qui est « Pourquoi ne pouvons-nous jamais, jamais être aimés ?» Et 30 ans après, dans une intervention consacrée à Emmanuel Carrère, vous écrivez, dans Intervention 2020, mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume restreint. Je crois à l'amour. Alors, en effet, il y a l'hypermarché et puis il y a l'amour. Est-ce que vous diriez que, contrairement à beaucoup d'idées reçues par ailleurs sur votre œuvre, l'amour a toujours été, peut-être pas votre thème principal, mais en tout cas un de vos thèmes principaux? Oui, ça m'a... Ça m'a valu. C'est pas seulement. Si j'accepte
un peu de restreindre ce que j'ai écrit et de me limiter à ce qui est vraiment le plus fréquent. Et c'est pas seulement l'amour, c'est l'amour sexuel. Et plus précisément entre hommes et femmes, en fait. C'est quand même un thème qui apparaît beaucoup. Et on m'a... Oui, c'est un de mes thèmes principaux, oui. J'avais... C'est... Mais j'ai lu la question. J'ai lu la question avant. Mais ça va être... je sais pas si je devrais faire ça, en fait. Mais bon. J'avais... Bon, en même temps, chaque fois que je fais quelque chose, je cite Schopenhauer, donc allons-y. Donc ça, c'est le... Dans les premières pages de la métaphysique de l'amour. On ne peut donc douter ni de la réalité ni de l'importance de l'amour. Aussi, au lieu de s'étonner qu'un philosophe n'ait pas craint pour une fois de faire sien ce thème éternel des poètes, devrait-on plutôt s'étonner qu'une passion qui joue dans toute la vie humaine un rôle de premier ordre n'ait pas encore été prise en considération par les philosophes et soit restée jusqu'ici comme une terre inexplorée? Celui qui s'est le plus occupé de la question, c'est Platon, surtout dans Le Banquet et le Phèdre. Mais tout ce qu'il avance à ce sujet reste dans le domaine des mythes, des fables et de la fantaisie et ne se rapporte guère qu'à la pédérastie grecque. Le peu que dit Rousseau sur ce point dans le discours sur l'égalité est faux et insuffisant. Kant traite la question dans la troisième section de son écrit sur le sentiment du beau et du sublime, mais son analyse superficielle, faute de connaissance du sujet, se trouve donc en partie inexacte. Quant à l'examen qu'en fait Platner en son anthropologie, chacun le trouvera faible et sans profondeur. La définition de Spinoza mérite d'être rapportée pour son extrême naïveté, ne serait-ce que par plaisir. L'amour est un chatouillement accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Bon. Schopenhauer, je ne vais pas lire tout parce que c'est long, mais disons, je vais quand même lire un peu. Bon, il expose comment l'amour cause beaucoup de tracas dans la vie. Comment alors ne pas s'écrier « à quoi bon tout ce bruit ?» Pourquoi cette agitation et cette fureur, ces angoisses et ces misères ? Il s'agit simplement, en somme, pour chacun de trouver sa chacune. Pourquoi une chose si simple doit-elle tenir une place de cette importance et venir sans cesse déranger et brouiller la bonne importance de la vie humaine ? Bonne question. Et là, j'aimerais vraiment votre attention parce qu'il y a peut-être la plus belle phrase de Schopenhauer. Ce qui n'est pas peu dire. Mais l'esprit de vérité découvre peu à peu la réponse à l'observateur attentif. C'est ça Schopenhauer. Il est là, immobile, silencieux. Il observe la réalité avec attention. Voilà sa conclusion, donc. Non, ce n'est pas d'une bagatelle qu'il s'agit ici. Au contraire, l'importance de la chose en question est en raison directe de la gravité et de l'ardeur des efforts qu'on y consacre. Le but dernier de toute intrigue d'amour est en réalité supérieur à tous les autres buts de la vie humaine. Il mérite bien le sérieux profond avec lequel on le poursuit. Ce qui se décide là, c'est bel et bien la composition de la génération future. Ces intrigues d'amour si frivoles, ça va déterminer l'existence et la nature des personnages du drame, destinés à apparaître sur la scène quand nous l'aurons quitté. Ainsi donc, pris dans son ensemble, tout le commerce amoureux de la génération actuelle est, de la part de toute la race humaine, une grave méditation sur la composition des générations futures, de laquelle dépendent à leur tour d'innombrables générations.
La haute importance du but à atteindre est ce qui fait le pathétique et le sublime des intrigues d'amour, le caractère transcendant et transporté des douleurs qu'elles provoquent. Voilà. Bon. Donc, tout ça pour dire que le sujet est important. Enfin, je pense que ça n'a jamais été exprimé avec une telle force, à mon avis. Donc, oui. Oui, l'amour est mon sujet principal parce que. Bon, il termine par un. Bon, il dit que depuis. Voilà, traitant du bonheur, du malheur et de l'espèce, il est à tous les autres, il parle de l'amour. Sujet de l'amour qui ne touche que le bien de l'individu, comme le corps est de la surface plane. Je trouve la métaphore géniale. Donc, c'est un sujet important, oui. Et son caractère pathétique est sublime. Oui, mais le. Il s'agit de la composition de l'espèce, quoi. Pas, il ne s'agit pas d'intérêt. Individuel. Il s'agit d'autre chose, et donc c'est pour ça que c'est un sujet si important. Voilà, donc c'est. Donc je n'ai jamais regretté d'accorder ton importance à la sexualité et à toutes ces choses, parce que le résultat est important. Il s'agit de la. De l'être de l'espèce. Et vous, vous diriez que vous êtes là, silencieux, immobile, à oui. Regarder la réalité. Oui, oui, c'est mon modèle dans ce sens. C'est beau comme le serment de l'établissement sur l'attention, quoi. On est là, on ne bouge pas, on ne bouge surtout pas, on ne dit rien, on ne pense pas. On regarde la réalité jusqu'à ce que l'esprit de vérité apparaisse. Il vous fasse connaître la réalité. C'est. Tout repose sur la contemplation au départ, sur une attitude de contemplation attentive. D'accord. Alors du coup, je vais avoir du mal à redescendre, mais je vais vous interroger malgré tout sur depuis tout ça, avec ces 30 ans passés. Donc après 7 romans, bientôt 8, 4 recueils de poésie, des interventions qui s'étoffent régulièrement. Est-ce que vous avez l'impression, mais des fois ce que vous dites là donne cette impression-là, que vous avez, malgré la diversité très grande des choses que vous avez écrites et dont vous vous êtes préoccupé, parce qu'il n'y a pas que l'écriture, on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression d'un parcours relativement uniforme et cohérent, ou au contraire d'un trajet accidenté, voire d'une série de bifurcations, pour reprendre un de vos termes ? Non, moi j'ai l'impression d'être assez cohérent, mais j'ai l'impression que c'est pas un mérite en même temps. Enfin, je veux dire, j'ai la sensation que j'ai, c'est que ce qu'on fait, on est jamais vraiment content en fait. Donc ce qu'on fait vous impose d'autres choses à faire pour compléter ce qu'on a déjà fait, quoi. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Au bout d'un certain temps, ça, on devient prisonnier du truc, quoi. On essaye de corriger ce qu'on n'a pas fait suffisamment bien dans les fois d'avant, quoi. Et donc, non, c'est cohérent. Il y a une cohérence. Enfin, je sais pas si j'ai fait un truc complètement dingue dans ma vie. Je crois pas, en fait. Il me semble pas. Peut-être que si, si vous êtes un exemple, mais je... Dingue, non, mais est-ce qu'il y a eu des moments qui vous ont semblé, enfin, des scansions plus importantes que d'autres, des moments où, malgré tout, ça a pris un autre tournant ? Pas forcément dans ce que vous... Enfin... Dans la réception, mais en fait, c'est assez simple, la réception dans ma vie, il y a eu les particules élémentaires, quoi. Oui. Oui. Qui a tout chamboulé. Parce que je suis devenu star, et puis mondial en plus, enfin bon... Donc avant, je n'étais pas ça du tout, quoi. Ouais. Mais c'est la seule scansion. Beaucoup plus après que la carte et le territoire ou soumission ensuite. Oui, oui, parce que ça, mais c'est une scansion sociale. Oui, c'est ça. Ça a changé la vie. Ouais. Ça a changé ma vie.
Mais les particules élémentaires, pour moi, il y avait des choses qui étaient déjà en germe d'extension, et puis après, il y a des choses que j'ai modifiées par rapport aux particules. Enfin, c'est un processus assez continu pour moi, mais c'est la réaction du monde qui a beaucoup changé d'un seul coup. Mmh. Oui. Et tout ce que vous avez fait à côté de vos écrits, c'est-à-dire la carrière dans le cinéma comme réalisateur puis comme acteur, oui, mais ça, c'est... La performance poétique, la performance poétique, c'est un truc, c'est très différent du reste parce que j'ai vraiment commencé comme ça. C'est ça. Et pour moi, la lecture à voix haute, enfin bon, par exemple, j'ai refait ça récemment et c'est vrai oui, que justement. J'ai l'impression de revenir aux sources. Par exemple, qu'on me propose d'être acteur, c'est complètement surprenant. Enfin, ça continue à paraître complètement surprenant. C'est moi, bon, si les gens me disent que ça va, ça va. Enfin, mais je veux dire, c'est un peu. Il faut. Je vais pas dire qu'il faut. Je vais pas me présenter comme modeste, c'est pas ça. Mais si les gens vous avez intérêt à voir un film où je suis, je veux pas dire c'est pas intéressant quoi. Enfin, je veux dire c'est les autres qui décident comme quelque part. Quand là même. Aussi. Oui. Là particulièrement parce que je vois pas ce que je fais de particulier comme acteur. Enfin je me sens pas un don quoi. En tout cas ça n'a rien. Enfin ça n'est pas la même œuvre que vous poursuivez par d'autres moyens. Ah ça n'a rien à voir. Non ça n'a rien à voir c'est ça. Mais ça reste une des choses les plus surprenantes que j'ai fait de ma vie. Hein. C'est-à-dire, dire des poèmes, même faire un disque, c'était dans la continuité. Oui. Là, être acteur, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, c'est juste bizarre. Mais c'est bizarre et en même temps, c'est une bizarrerie très, très largement partagée, si j'ose dire, parce que non seulement vous avez joué dans de nombreux films, mais il y a beaucoup d'artistes. Enfin, on en avait recensé un certain nombre dans le cahier de Lerne. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont servis de vous, de votre image dans leurs œuvres. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des écrivains. Vous êtes même apparu, là je l'ai apporté juste parce que c'est drôle, mais vous avez fait une apparition dans le dernier Astérix. Comment est-ce que vous considérez justement ce geste par lequel d'autres artistes s'approprient soit votre œuvre, soit votre personne ? Et est-ce que vous non, avez... mais attendez, Agathe, ouais. il faut bien situer le fait que je l'ai fait moi-même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il m'arrive dans mes livres, il m'arrive de. Oui. De vous servir des gens. De citer Brigitte Bardot. Ou d'autres. De citer Mick Jagger, Philippe Solers, donc des personnages d'une manière ou d'une autre connus et qui ont une image. Et si vous voulez, moi, je suis cité, voilà, c'est tout. Oui. Mais ça me paraît normal parce que j'apparais dans le monde public, quoi, donc j'ai une certaine image qui correspond ou pas. Je sais pas. J'ai jamais su, par exemple, je crois que oui, finalement, mais il a voulu me voir, mais il est mort juste après. Karl Lagerfeld, je ne sais pas s'il a aimé son portrait. C'est pas sûr. Quand il marche sur les mains, moi je trouvais que la scène était vachement bien quand il se met à marcher bien. Sur les mains. Mais si vous voulez, on entre dans le domaine public, on devient un personnage utilisable. Quoi. C'est comme ça, si on ne veut pas, on ne rentre pas dans le domaine public, on a le droit. Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup, beaucoup de personnages publics et peu qui sont autant utilisés que vous. Est-ce que vous avez Il y en a qui sont utilisés quand même, je sais pas. Ah, en tout cas. Mais je fais partie des personnages publics très utilisés. Ouais. Mais qui stimulent manifestement l'imaginaire de beaucoup d'artistes. C'est pas exactement la même chose que ce que vous dites. Il me semble. Et est-ce que vous avez pas l'impression que Je suis pas d'accord là. Non, je suis pas d'accord. Je vois. Je pense que Marilyn a fait beaucoup à stimuler l'imaginaire de. Vous choisissez vos comparaisons. De beaucoup de personnes, enfin. Oui, bien sûr, mais justement, bah, oui, enfin, mais... c'est pas n'importe, c'est un mythe. C'est pas n'importe quel personnage public, c'est un mythe, Marilyn. Oui, enfin, à mes yeux, moins que Brigitte Bardot, mais enfin bon. C'est une question de goût. Chacun ses goûts, oui.
Mais je veux dire, c'est... Mais bon, il y a des personnages qui existent, qui sont des personnages publics et qui jouent un rôle dans la vie des gens, quoi, d'une manière ou d'une autre, par rapport auquel on se situe. Et j'ai bien dû constater que j'en faisais partie. Mmh. Mais j'ai jamais protesté, hein, mais je pense que c'est... C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça, je deviens une espèce de repère dans l'imaginaire d'une époque. Quoi. Oui, c'est ça. Mais ça n'est pas rien. Enfin... Non, c'est pas rien. Je sais pas, je deviens... Bon, je peux... Mais c'est pas bien de protester, je veux dire. Si je dis non, je suis pas si déprimiste que ça, je me lance dans un truc. Non, il vaut mieux laisser faire les gens. Oui, vous parlez beaucoup, en effet, de laisser faire autrui, là. Alors là, vous allez publier au mois de janvier prochain votre 8e roman, dont on ne parlera pas ce soir, j'y insiste. Mais je voudrais en profiter pour vous poser quelques questions, pour parler travail, comme dirait Philip Roth. Et je commence par une citation de La carte et le territoire, qui est attribuée au personnage de Michel Houellebecq. Alors je lis cette citation. « On peut toujours, lui avait dit Houellebecq, lorsqu'il avait évoqué sa carrière romanesque, prendre des notes, essayer d'aligner des phrases. Mais pour se lancer dans l'écriture d'un roman, il faut attendre que tout cela devienne compact, irréfutable. Il faut attendre l'apparition d'un authentique noyau de nécessité. On ne décide jamais soi-même de l'écriture d'un livre, avait-il ajouté. Un livre, selon lui, c'était comme un bloc de béton qui se décide à prendre. Et les possibilités d'action de l'auteur se limitaient au fait d'être là et d'attendre, dans une inaction angoissante, que le processus démarre de lui-même. » Alors, je lis ça et je me rends compte à quel point ça fait écho à la citation de Schopenhauer que vous disiez tout à l'heure. Mais est-ce que, malgré tout, vous pourriez, même si ça reflète un peu peut-être votre propre expérience, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la manière dont vous commencez un roman ? C'est pas mal, ce passage. Oui, c'est pas mal. Pour ça que je l'ai choisi. Je suis désolé, mais l'essentiel est quand même là. Il faut attendre que ça démarre tout seul. Qu'il faut rester dans la même attitude d'observation attentive et attendre que ça démarre tout seul. Il n'y a pas de moyen de faire démarrer le truc avant, quoi. J'en connais pas, tout du moins. Il n'y a pas de moyen de s'exciter pour que ça démarre tout seul. Ouais. Il faut attendre que ça démarre tout seul. Mais quand vous commencez par quoi ? Est-ce qu'il y a... Enfin, il y a quelque chose, quand même, qui... Il y a une situation qui apparaît, oui. Alors, en général, il y a un personnage et un lieu. Un personnage dans un lieu. Je ne sais pas... Il y a un passage qui plaisait beaucoup à certains critiques dans l'extension, c'était la première phrase. Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez un collègue de travail. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est bien. On se rend bien à la situation, déjà. Enfin, bon, après, le personnage est un peu détaillé, enfin, mais il faut un personnage et un lieu, et il faut aussi qu'on sente que c'est gros de possibilités. Mais je veux dire, il n'y a pas... Je ne sais même plus quelle était la question, mais c'est sûr que... Vraiment attendre que ça démarre tout seul est la seule possibilité. Alors c'est vrai que c'est angoissant. Moi, je comprends. C'est pas l'histoire. C'est mal exprimé, le truc de la page blanche, si on veut. Il n'y a pas de page blanche. Enfin, une fois que c'est démarré, quoi. Mais il faut, avant que ça démarre, non. Bah oui, il y a un moment d'incertitude. Oui, ça peut ne pas démarrer du tout. Et quand ça démarre, est-ce que vous savez un peu avant vers quoi vous allez ? Est-ce que, en gros, est-ce que vous êtes un romancier à plan ou pas du tout ? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'est,
C'est pas... Je pense que les gens qui... Les romanciers à plan, j'ai rien contre. Hein. Mais je pense que Balzac en était un. C'est des gens qui accordent une certaine importance à... Je ne pensais pas vraiment à Balzac, mais à l'ingéniosité de l'intrigue. Non, Balzac, ce n'était pas pareil. Il avait... Mais il raisonnait pas roman par roman, Balzac. Il raisonnait sur un ensemble complet. Il avait prévu de quadriller complètement le monde, quoi. Enfin, la société, en tout cas. Donc, ce n'était pas... Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un plan dans la narration de Balzac, en fait. Narration roman par roman. Plutôt un plan global sur le recouvrement du monde par le roman, quoi. Et ça, vous, non? Ben non, je n'ai pas conçu de projet aussi ambitieux, non. Pas aussi ambitieux, mais quand même, il y a un côté quadrillage à certains moments. Oui, mais... Non, mais lui, il l'a fait vraiment. Enfin, vous connaissez mieux Balzac mieux que moi, d'ailleurs. Vous savez bien qu'il avait prévu des... Oui, oui. De tout quadriller, quadriller le monde entier, quoi. Non, je n'ai pas fait ça, moi, non. Non. D'accord. Du coup, l'idée de l'intrigue, est-ce que ça a une importance pour vous, l'intrigue romanesque ? L'intrigue est... C'est une vraie... C'est une vraie question. Hein. Je pense que ça, en plus, ça dépend vraiment des gens, mais je pense que chez moi, l'intrigue est... Et généré par les personnages plutôt que l'inverse, quoi. Oui. En fait. C'est-à-dire, des choses doivent se produire entre des gens interagissant. Et je ne détermine pas vraiment au départ ce qui doit se produire. Je les laisse comme dans des... s'agiter, quoi. Si tout part des personnages, qu'est-ce qui vous intrigue justement d'abord chez un personnage? Est-ce que vous savez comment un personnage vous touche et vous intéresse suffisamment pour vous lancer dans quelque chose, dans cette espèce de bloc de béton à prendre là justement? Non, là je crois que je sais pas. Vous savez pas. Je crois que je sais pas. Ouais. Non. Mais c'est vrai que c'est le côté le plus mystérieux du truc, hein, et le faire des gens qui paraissent vrais, c'est une activité mystérieuse. Ça reste une activité qui paraît mystérieuse et qui l'est, à mes propres yeux et inclus, quoi. Mais je ne peux pas vraiment dire là ce qui... Non. Ce qui serait décisif. Non, je ne sais pas. Est-ce que le lieu et le moment de l'écriture, pour vous, ont une importance sur la mise en œuvre des choses? Quand est-ce que vous écrivez? Non, où est-ce que vous écrivez? La plupart de mes livres ont été écrits un peu n'importe où. C'est-à-dire qu'un ordinateur portable avec une imprimante, quand même, c'est important. Ça a été le gros problème de ma vie, les imprimantes portables. Je sais. Je peux écrire n'importe où, pareil. De toute façon, je ne suis pas dans le monde, je suis ailleurs. Par contre, l'heure, oui, c'est important. Il faut que j'écrive en me réveillant, quoi. D'accord. Il faut que ce soit la première chose que je fasse dans ma journée. Sinon, le bon moment, c'est le moment où on se réveille, quand même. Et l'état de non-réveil total. Oui, de non-censure, de non... Est-ce que vous corrigez beaucoup ? Avec l'ordinateur, qui je pense est un gros progrès, on ne sait plus trop. Parce qu'on ne sait plus combien de fois on corrige un passage, quoi. On ne tient pas le compte des nombres de corrections. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que quand je ne suis pas en forme, quand j'écris rien de valable, je peux toujours corriger ce que j'ai déjà fait. Donc je le fais un nombre de fois indéfini, en fait. Mais plus au cours de l'écriture qu'à la fin.
Oui, non, au cours. J'arrête pas. Je le fais en même temps. Quoi. Et quand est-ce que vous savez que c'est fini, un roman ? Je crois que la bonne réponse est celle de Sioran, c'est quand on en a complètement marre. C'est-à-dire quand le truc vous sort par les yeux, quand il vous dégoûte, on se dit j'arrête. Parce que sinon, on pourrait améliorer à l'infini, quoi. Je veux dire, on... Et puis, même le fait qu'on en ait marre est un signe. C'est un signe que si on continue à modifier, on va faire des conneries, en fait. Donc, mais c'est surtout qu'on ne peut plus supporter le truc. Quoi. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de faire des interviews aussi, parce que on vous interroge sur un livre que vous venez d'écrire, que vous n'avez absolument pas envie de parler de ce truc. Quoi. C'est pour ça que je vous interroge avant, non. Je vous ai pris au bon moment. Est-ce que vous gardez vos manuscrits ? Non. Et pourquoi ? Parce que ça ne garde personne. L'œuvre terminée, achevée, et non, aucune mais... genèse. Non, ça ne regarde personne, ce truc-là. Mais vous dites, vous écrivez uniquement à l'ordinateur, maintenant ? Non. Ah. Non, mais je détruis quand même tout ce qui est trace écrite. Hein. D'accord. Délibérément. Délibérément, pour que... Bah, je ne sais pas, c'est... Publier un truc, c'est déjà gênant, alors... Si on... que les gens lisent des trucs qui vous paraissent ratés par rapport à ce qu'on a publié finalement, c'est pas, ça les regarde pas. Quoi. Ouais. C'est... Donc, à se contenter de ce qui est. Je pense. Vous avez plein de choses à faire déjà comme universitaire. Mais les universitaires et les gens de la BNF vont vouer aux gémonies de ne pas garder les manuscrits. Mais oui, bon. Je sais, mais... Ça, je vous l'ai déjà dit, vous voulez oui, pas oui, m'écouter. Vous l'avez déjà dit, oui. Bon, je reviens justement au livre. Et, alors, vous avez choisi, là, en accord avec Teresa Crémisi et Antoine Gallimard, ouais. De construire un tout nouvel objet pour votre prochain livre, mais aussi de republier l'ensemble de vos romans sous un format complètement nouveau. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ça ? C'est-à-dire, créer ce nouvel objet, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Et quels étaient les paramètres sur lesquels vous avez travaillé ? Donc, tout le... Oui, c'est... Disons, il faut... Bon, déjà, il y a un préalable. Hein, c'est... Bon, on dit écrivain, c'est vrai, j'écris des livres, mais... J'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie à lire qu'à écrire, quand même. Et donc, j'ai une certaine vision de ce que je veux comme livre, ce que j'aime comme livre, ce que je trouve agréable comme objet. Et j'ai peu contesté ce qui m'était proposé jusqu'à 1998-19, précisément, où j'étais publié en allemand. Et je me suis aperçu que les livres allemands étaient beaucoup mieux que les livres français, quoi. À tout point de vue. Oui. L'objet était plus agréable, plus lisible, plus beau. Bon, après, il n'y a pas que les livres allemands. Il y a beaucoup de pays qui fabriquent des livres meilleurs que les livres français, quoi. Mais les Allemands, c'était la première expérience. Et donc, ça fait plus de 20 ans ouais. Que je me dis que les livres français ne sont pas à la hauteur quoi, du point de vue de fabrication. Ça ne va pas. Après, plus récemment, on a cité Benoît Galland, là, quelque part, je ne sais pas où. J'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il y a 50 ans, un siècle en tout cas, et même il y a 50 ans, les livres français étaient mieux fabriqués. À tout point de vue, enfin, ils étaient plus résistants parce que c'était du cousu, ils avaient une couverture rigide. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire des livres correspondant à mes goûts de lecteur. Quoi. Mmh. Des livres que je trouvais plaisants à lire, à tenir en main. Oui, ça fait partie de la relation que vous créez avec le lecteur. Oui, ça, oui. Cet objet-là.
Bah, oui, oui, c'est la base de la relation même. Enfin, il y a. Il y a le contenu. Souvent, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Enfin, oui, le contenu, mais le contenu. Il faut le flacon et l'ivresse, les deux. Oui, enfin. Bon, mais il n'y a pas que le. Ben, je sais pas, j'ai jamais réussi à me faire au livre numérique, par exemple. Enfin, oui. Il n'y a que le contenu. Enfin, j'aime pas lire sur écran. J'aime les livres, j'aime le papier, j'aime l'objet, l'activité. Enfin, et les livres français n'étaient pas. Bon, là, ça me va parfaitement ce qu'on a fait. Je suis vraiment content, quoi. Mmh. Les particules, c'est. Il y a. La question, c'est comment on a procédé. Ça m'intrigue de savoir quels étaient les critères qui vous importent sur l'objet livre. Qu'est-ce que. Ben, d'abord, on a commencé vraiment de manière. On a fait de manière très logique. On a commencé par le format. Moi, je trouve les livres français, le format largeur-hauteur n'était pas. Je préférais un format plus. Plus carré. Un peu plus carré, oui. En fait, on est à. Je crois qu'on est à 1,6, là, en fait. Ce qui est le nombre d'or, d'ailleurs, en fait. Hein. Mais bref. Donc, on a commencé par le format. Ensuite, on a continué par le format interne, c'est-à-dire l'empagement. La taille de la surface imprimée. Et là aussi, il y a une proportion agréable, il y a des marges agréables. On a continué par la typographie, le choix de la typographie, le choix de la taille du caractère, de l'interlignage. En fait, c'est presque tout. Après, on a fait des raffinements, on a fait un papier, un carton un peu martelé, un petit débossage pour la couverture. Enfin bon, on a travaillé l'objet, quoi, la matérialité de l'objet. Et bon, ça a pris un certain temps. On a fait pas mal d'essais Mais est-ce que pour vous, ça, c'est d'une certaine manière le signe d'une classicisation ? On n'accorderait pas ça à n'importe quel écrivain. Vous risquez de provoquer une révolution chez les éditeurs. Non, aussi. Je suis très content qu'Antoine Gallimard ait accepté. Je vous remercie vraiment. C'est pas. Pour moi, ce n'est pas une classification. C'est comme ça que les livres devraient être. Ouais. Les livres communs. Ouais. Les livres. C'est comme ça qu'ils sont dans certains pays. Mais vous, vous tenez à l'objet livre quand vos livres à vous. Ben oui, je tiens à l'objet livre, oui. Ouais. Oui, c'est un de mes objets préférés dans la vie, oui. Vous dites dans J'ai lu toute ma vie, vous dites je ne parviens pas à m'imaginer sans un livre. Non, mais oui. C'est le cas ? Ben oui, effectivement, je sais pas, par exemple, bon, j'ai. Je suis sorti avec ça. Ouais. C'est gros. Mais en fait, il y a un livre là-dedans. C'est à peu près tout. Y a... Lequel ? On peut savoir ou... Ouais, si vous voulez. C'est... Bah, d'ailleurs, oui, vous pouvez, vous-même, vous devez. Ah, alors, j'ai bien fait de poser la question. Attendez. Mais il est où ? Et c'est gros, vous le disiez. J'ai voté pour ce livre au prix 30 millions d'euros. Ah. Ben voilà, je vous ai pas dit, le 2 décembre 1845, c'est la création de la SPA. J'ai failli vous proposer C'est un bon livre, L'os de Lebowski de Vincent Maillard aux éditions Philippe Ray. Bon, j'ai voté, mais je n'avais pas terminé le livre, mais en fait, j'ai bien fait, il était très bon. Très bon livre. Bon, tout ça, c'est pour dire que des fois, je sors et avec un sac entier. Et donc, je vais au supermarché, enfin, n'importe où. Je peux pas me déplacer sans un livre parce qu'il peut y avoir 2 minutes d'attente ou je sais pas quoi. Et si j'ai rien à lire, je vais paniquer, quoi. Ouais. Ça va être affreux. Je vais me retrouver dans le monde réel. Ça sert d'écran. C'est horrible.
terrible. Alors, tant qu'on a un livre, c'est bon, on est sauvé. Alors justement, est-ce qu'il y a des livres et des collections qui ont plus compté? Alors, vous voyez ce que j'ai apporté. Évidemment, j'ai apporté Graziella en Bibliothèque verte et aussi les Six compagnons et L'homme au gant. Oui, très bon livre. J'ai trouvé, dans les particules, le chef-d'œuvre de Jacques Bonzon. Vous dites. Enfin, c'est Bruno Bonzon qui dit ça. Oui. C'est vrai que c'est son meilleur livre. Mais est-ce qu'il y a des livres et des collections qui ont particulièrement compté pour vous? Oui, quand même, celle-là, en particulier la Bibliothèque verte, qui proposait, de manière, à mon avis, irresponsable... Graziella à des enfants de 10 ans, quoi. Ouais. Qui pouvait que les perturber gravement et... C'est pas très hot, Graziella, d'un autre côté. Ouais, mais si, quand même. Vous avez vu la couverture? Je suis passée à côté, oui, j'ai vu. Elle est belle. Non, mais il y avait des choses dans la Bibliothèque verte qui... Oui, il y avait de très bons livres dans la Bibliothèque verte. Donc la Bibliothèque verte a été en fait mon... Bon, les Six compagnons, c'était pour enfants, d'accord, mais la Bibliothèque verte a été mon introduction à la littérature pour adultes, en réalité. Il y avait Dickens aussi, enfin, il y avait des choses, vraiment. Oui. Je vous ai apporté... Donc la Bibliothèque verte a beaucoup compté. Et puis Pif, un peu à la même époque aussi, oui. J'ai apporté Pif, parce que la oui. Poudre de vie, quand même. Naturellement, c'est le... Bon, pour les gens qui... C'est effectivement le Pif le plus célèbre de l'histoire de Pif. Quoi. Voilà. Il est pour vous, si vous voulez. Peut-être vous l'avez encore. Oui, je pense que je l'ai encore. Oui. Je m'en doutais. C'est important. Enfin, bon, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et c'est vrai que j'ai toujours gardé Graziella, ainsi que certains Pif. Oui. Ainsi que certains Pif. Oui. Et quelques 33 tours aussi. Donc, il y a et quelques 33 tours. Ah oui, bah oui, oui forcément. Oui. Mais justement, alors, dans votre œuvre, Pif voisine avec Kant, Dostoïevski avec Agatha Christie, Baudelaire avec Spirou et Fantasio. Oui, mais c'était. On revient un peu à ce que je disais sur Lovecraft. Hein, c'était. Oui, c'est ça. Une protestation typique de ma génération jeune dans les 70, ouais. Qui est de dire ce qu'on aimait, la littérature. La série B, oui. En général, avait produit des résultats tout à fait remarquables. Et donc, la BD, c'était bien. Oui. Pour vous, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est vraiment générationnel. Oui, c'est ça qui... Oui. Oui, je suis pas du tout original. Quand je rencontre des auteurs à peu près de mon âge, on a les mêmes... marqueur culturel. Quoi. Ouais. Je sais pas, il y a des gens, par exemple, qui se... Moi, c'était pas vraiment mon truc, chapeau mêlé en boîte de cuir. Enfin, bon. Ouais. Mais ce genre de mythe, ça correspondait vraiment à quelque chose d'intéressant. Quoi. Vous avez eu l'impression que ça a amené une génération à renouveler une vision de la littérature? Certainement. Certainement, parce qu'il y a eu un moment... où ça a tourné un peu en rond, la littérature dite, la littérature... On revient à Robe Grillée, si vous voulez. Hein? On revient à Robe Grillée, je plaisante. Non, mais on va pas, il est mort, Dieu, paix à ses cendres, mais c'est vrai que c'était chiant, quoi. C'est quand même super chiant. C'est... Et donc, ça a été de pair avec... Bon. Alors, chez la variante culturelle, mais qui est la plus répandue, en fait, des auteurs dont je parle, une revalorisation du XIXe siècle. Oui. Oui. Et donc, de certaines... il y a une espèce de retour à une forme de narration, oui, et une forme de...
narration et de contact avec le réel aussi. Oui. Et vous pensez que justement l'intégration de cette culture-là, qui était la culture underground, a joué un rôle? Oui. Il y a eu une chose qui a joué bizarrement pas moins chez moi que chez d'autres, comme Dantec, récemment disparu. Le polar a joué un grand rôle, parce que le polar, pendant un temps assez long, a gardé était la seule partie de la littérature à revendiquer un certain réalisme social. Mm. Moi, j'étais plus SF que polar, en réalité, donc je pense que ça se voit dans mes livres, quelque part. Un peu. Mais j'aimais le polar aussi. Mais j'aimais bien le polar aussi. Ouais. J'aimais bien Manchette, par exemple. Enfin, ouais. Des gens comme ça. Qui était un bon styliste, hein, par ailleurs. Enfin, je sais pas, Jonquet, vous le citez. Oui, j'aime bien Jonquet. Jean Jonquet était un bon auteur. Sa mort m'a attristé. Oui. Mm. Bref, il y a eu un moment donné où il y avait la culture populaire série B a recollé à la culture officielle, et je pense que je suis assez représentatif de ce moment. Oui. Mais je ne sais pas si ça a recommencé à diverger. J'ai l'impression que ça a recommencé à diverger plus récemment. Et vous savez pourquoi? Non. Non, je ne sais pas. Mais peut-être vous-même. Est-ce que ça diverge chez les autres ou est-ce que ça diverge en vous? Est-ce que vous... Non, ça diverge chez les autres. Ça diverge. Moi, j'ai gardé des habitudes de jeunesse. Je lis toujours des polars, ce qui existe dans le polar. Quoi. Mm-hmm. Oui, je sais. Alors, c'est vrai que la science-fiction, par exemple, a complètement disparu. Le truc, c'est complètement évaporé. Mm. Et ça, chez vous aussi. Oui, mais très bizarrement, hein, j'en parlais avec Gérard Klein, des grands mecs qui s'y connaissent. Et les gens, il y a quelque chose dans l'attitude par rapport à la prospective qui a changé. Les gens n'écrivent plus de science-fiction. Oui, mais justement, enfin. Le rock est mort aussi. Hein. Bon, d'accord. Les choses ne durent pas forcément. Autant qu'on voudrait. Autant qu'on voudrait. Mais sur la science-fiction, enfin. De fait, vous avez écrit des romans qui tendaient un peu vers la science-fiction, et là, en ce moment, vous avez tendance... c'est constant depuis Les Particules, en fait. Les Particules, ça commence à l'été 98. Les premières pages du roman, c'est l'été 98, c'est-à-dire... Enfin, les Particules sortent en septembre 98. Et puis, après, il y a eu d'autres romans, comme Soumission, un peu Sérotonine aussi, etc. Enfin, vous avez souvent tendance à... Enfin, vous semblez installer un régime d'anticipation proche. Qu'est-ce que ça implique pour vous, ça? Quel est l'intérêt de ce régime-là? C'est peut-être que je me suis mis à plus me sentir capable d'anticipation lointaine déjà. Oui, je crois que c'est ça la bonne réponse. Je ne sais. Mais l'anticipation vous intéresse toujours. Vous êtes toujours dans ce régime-là. Oui, j'aime bien être dans l'anticipation. Oui. Il se peut que je ne sache pas dire vraiment. Pas grave. Dans un des poèmes, j'arrive à ma dernière série de questions, mais. Dans un des poèmes de configuration du dernier rivage, vous écriviez trois vers. Où et comment? Que faut-il vivre? Et à quoi bon écrire des livres dans le désert inattentif? Alors, ça pourrait paraître anachronique aujourd'hui, où on a l'attente du nouveau Houellebecq, qui est tellement hyperbolique. Parfois, vous êtes attendu un peu comme un oracle. Mais est-ce que c'est si anachronique que ça, et à quoi bon écrire des livres, alors, justement? Ça va être un peu...
Disons qu'il faut... les livres servent à être lus et... Mais ce que je vais dire, je vais l'exprimer sous forme... Je ne me plains pas du fait qu'un livre n'a jamais changé le monde. Enfin, un roman n'a jamais changé le monde, quoi. Si vous voulez, ça, c'est un truc que j'ai acquis assez vite dans ma vie, l'idée que... après m'avoir lu, les gens ne vont pas modifier leur comportement, quoi. Est-ce que vous en êtes sûr ? Oui. Ils vont dire, dans le meilleur des cas, mes meilleurs lecteurs vont dire oui, c'est bien comme ça qu'est le monde. Je le voyais comme ça, en effet. Ils vont être contents de voir le monde décrit d'une manière qui leur paraît satisfaisante. Et ils vont pas changer. Ils vont pas changer, quoi. Ils ne vont pas être pénétrés de l'idée de changer le monde. Non, ça ne leur viendra pas à l'idée. Alors, ça assure la totale innocuité du genre. Ce n'est pas comme le manifeste du Parti communiste, quoi. On ne va pas mettre le monde à feu et à sang. Non. Les gens vont juste lire des livres. Et après tout... si je considérais que j'ai une responsabilité par rapport au monde, je trouvais ça insuffisant. Mais je ne trouve pas ça insuffisant. Je me suis toujours proposé de faire ce que je demande moi aussi à la lecture, c'est-à-dire offrir une alternative au monde. Mais quand même, si vous permettez, ce n'est pas toujours si clair que ça. Alors, c'est vrai que, par exemple, dans Sortir du XXe siècle, vous écrivez « La littérature ne sert à rien ». Oui. Mais dans « J'ai lu toute ma vie », vous dites, je vous cite, « Quelle fascinante saloperie, quand même, que la littérature, si pernicieuse, puissante, incroyablement plus puissante que le cinéma, plus pernicieuse même que la musique. » Alors, où est-ce qu'elle se situe, la puissance de la littérature, qui, par ailleurs, ne sert à rien ? Il faut... Il y a un truc qui n'est pas une image, hein, qui est un truc observé dans la réalité, qui est resté célèbre. Je crois que c'est Dumas qui l'observe. Et bon, les gens, les nobles attendent d'être exécutés, attendent d'être guillotinés, parce qu'il y avait des fils. Hein. Donc certains lisaient des livres. Le mot qui s'était appelé pour être guillotiné, mettaient le signet. Donc c'est dire à quel point ils étaient dans leurs livres, quoi. Ça permet d'échapper. Oui, mais c'est pas mal, non ? Oui. Parce qu'on peut toujours se faire guillotiner, hein, je veux dire. Mais là, c'est pas la pernicieuse, quelle fascinante saloperie que la littérature. Là, c'est pas saloperie du tout, c'est salvateur. On peut le voir comme ça. On peut dire aussi que quelqu'un devrait se lever... S'enfuir. S'enfuir, briser ses chaînes, s'enfuir des gardiens. Non, le mec, il est là, il attend d'être guillotiné, il lit son livre. Voilà. Donc c'est ça, la puissance de la littérature. Hein. C'est pas... Elle est énorme. Parce que je pense pas qu'autre chose qu'un livre pourrait produire ça. Oui. Mais elle incite pas à changer le monde. À agir. Non. Dans Approche du désarroi, qui est l'une des plus importantes interventions, en volume en tout cas, mais c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup, vous faites de l'accélération perpétuelle du monde contemporain le danger principal qui menace la littérature, et vous concluez, je cite, « Les Occidentaux contemporains ne parviennent plus à être des lecteurs. Ils ne parviennent plus à satisfaire cette humble demande d'un livre posé devant eux. » Être simplement des êtres humains, pensant et ressentant par eux-mêmes. Est-ce que... Alors, il y a certaines personnes qui sont, je crois, dans cette salle, qui ont parlé justement de la littérature, du danger qui menace la littérature actuellement,
Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Et est-ce que vous pensez que ce danger qui menacerait la littérature mettrait aussi en péril l'humanité en nous? Oui, quand même. Dans une certaine mesure, oui, je sais pas, j'ai. Oui, j'ai parlé à un jeune récemment. Et donc, bon, j'observais quelqu'un, vous savez, on parle beaucoup des réseaux sociaux, dans les informations, et tout ça. Donc, j'observais quelqu'un, bon, on faisait autre chose, hein. Enfin, c'est une jeune, en fait. Et donc, bon, après, je vois faire son ce truc réseaux sociaux, et elle me demande ce que je ressens, parce que je la regarde bizarrement, hein. Elle me demande ce que je ressens, et je dis, je te plains. Et donc, il y a une incompatibilité entre être et être relié, quoi. Il faut être... Il faut être seul à un certain moment. Et le livre... permet ça. Je prends un livre, je lis, quand je veux, j'arrête. Je fais autre chose. Enfin, je ne suis pas relié à un flux. Et c'est vrai que... mais ça, c'est... Bon, je parle de tout ça. Mais en fait, tout ça... d'une certaine mesure, déjà été exploré par les auteurs de science-fiction il y a 50 ans. Quoi. Les êtres qui sont incapables de sortir du flux, qui sont incapables d'être, en fait. Et donc, il y a un danger pour l'existence des êtres humains en tant qu'espèce produisant des individus. Si tout le monde est dans le même flux, oui, hein, il y a un danger plus que pour la littérature. Enfin, la littérature n'est pas... C'est vrai que c'est un outil de déconnexion par rapport au flux. Oui. Mais si vous voulez... on peut dire que n'importe... Beaucoup de choses pourraient l'être. Quelqu'un vous dit, je me déconnecte, je médite. D'accord, ça peut marcher aussi. Hein. Mais le livre vous permet de sortir du flux. Du coup, la littérature est un instrument de résistance au monde contemporain. Ah, certainement, oui. C'est un instrument de résistance à n'importe quel monde dans lequel on est qui ne vous plaît pas, oui. Alors, elle ne sert pas à rien. Excusez-moi, je prêche pour ma chapelle, c'est tout. Je disais qu'elle n'incite pas à transformer le monde, elle incite à en être moins dépendant, oui. Voilà. Vous avez écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Le sens du combat. Oui, est-ce que vous gardez... oui, je sais bien, mais est-ce que vous gardez, vous, le sens du combat? Bon, c'est un peu trop dire, non, mais j'aime beaucoup les mots. Mais ça, c'est un problème avec les écrivains. Si vous voulez, de temps en temps, on pourrait prendre plein de phrases. On me dit... Qu'est-ce qui se passe là? Bon, on me demande est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit. Et j'ai dit non, mais la phrase est réussie. Ouais. Le sens du combat, j'aime bien. J'aime bien l'assemblage de mots. Mais je ne veux pas en faire un manifeste. Quoi. Enfin, Et ça a été... Oui. Enfin, bon... En même temps, j'assume. Hein. Je savais que ça voulait dire ça aussi. Mmh. Bon, et la dernière question, si je vous demande le livre ou la vie, vous répondez quoi? Mais c'est un peu comme tout à l'heure. Si vous laissez pas vous qui choisissez, si vous voulez, bon, quand est-ce que les gens préfèrent le charme de ma compagnie ou bien lire mes livres, ça veut être décidé. C'est pas...
Les autres, oui, mais vous, vous pensez écrire pour vivre ou vivre pour écrire? Oui, bon, ça, c'est une question... Moi, je suis pas très à l'aise avec cette question parce que... l'idée que... si j'écris pas, la vie m'ennuie, n'est pas une idée qui me plaît, mais pourtant, je dois bien reconnaître que c'est de plus en plus vrai, oui. Voilà. Une réponse honnête. Je vous remercie de votre honnêteté. Je ne trouve pas ça l'idée plaisante, mais c'est un peu vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est toujours bien avec vous, c'est toujours un peu intense, hein, mais bon.